Transhumanisme, longévité et neurosciences, quelles perspectives? C'est une soirée qui sera divisée en deux parties. D'abord, des petites conférences, 10 à 15 minutes. On pourra prendre des questions d'éclaircissement à ce moment-là. Mais dans la deuxième partie de la soirée, il y aura un débat. Vous pourrez participer, vous n'hésitez pas à m'interpeller, on prendra toutes les questions. Pour les conférences, on va commencer avec Alexandre Maurer, qui est membre de... Non, mais c'est pas tout de suite. Attends, j'ai un petit lagus à faire d'avance. Donc, tu es docteur en informatique, research fellow à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et membre de l'association française transhumaniste Technoprog. Donc, tu fais partie de l'AFT. Et c'est toi qui vas ouvrir le bal puisque tu vas nous parler de l'histoire du transhumanisme aux États-Unis, mais aussi de comment il a été reçu en France et qui sont les transhumanistes français. Car ce soir, on va parler des progrès récents de la médecine et de cette science qui nous fait espérer une vie plus longue, une vie meilleure, peut-être même avec de meilleures capacités cognitives, on parle même d'immortalité dans certains cas. Est-ce que c'est de la science-fiction? Les premières questions qu'on va se poser, c'est où on en est dans la recherche. À quelle difficulté elle se heurte aujourd'hui? Pour ça, vous allez avoir une conférence, on a le plaisir de recevoir Jean-Marc Lemaitre, qui est directeur de recherche à l'INSERM et directeur adjoint de l'Institut de médecine régénérative de Montpellier, et dont les travaux ont fait le tour du monde sur le travail sur la sénescence des cellules. On aura aussi le plaisir de recevoir le docteur Christian Dimitriou, qui n'est pas encore là, qui est médecin principal adjoint au chef et chef de service à l'hôpital Percy, qui lui va nous parler du cerveau et de l'augmentation des capacités cognitives et du traitement des maladies cognitives. Donc ça, ce sera le point sur les sciences dures, avec deux docteurs.
auteurs que je viens de vous citer ne sont pas membres de l'Association française sensualiste. À la fin, on va faire plutôt des questions plus larges, on va se demander, mais dans ces recherches, jusqu'où on peut aller? Comment s'assurer que ces avancées utiles soient accessibles à tous? Est-ce qu'il va y avoir une caste d'immortels, des gens qui n'auront pas le droit à ces recherches? Comment prévoir des garde-fous pour quand ça va arriver? Et finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'être de ne pas mourir? Et pour ça, Didier Curnel, porte-parole de l'Association française transhumaniste, technoprof, co-président de l'association ILS pour l'allongement de la vie, membre du conseil d'administration de l'International Longevity Alliance et militant écologiste et progressiste. Tu as publié 2 livres, Et si on arrêtait de vieillir, et Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social. Donc vous le noterez, on a essayé de vraiment diviser. Il y a 4 invités, 2 membres de l'association française transhumaniste Technoprog et 2 qui ne le sont pas. Merci beaucoup à Douma, bien sûr, de nous accueillir ce soir, et notamment à Nathanaël sur RHS, qui dirige en partie ce lieu et qui a été l'interlocuteur de la FT Technoprog. Donc moi, je voulais juste, pour ouvrir ce débat, poser cette question, mais pourquoi est-ce qu'on va débattre de ça? À quoi ça sert de débattre de la vie, de l'immortalité, de l'allongement de la vie? Parce qu'en ce moment, finalement, ces découvertes, elles sont extrêmement lointaines, même les gens les plus optimistes disent que ce sera dans 100 années, bon, on en débat. Hein. Mais en plus, on est dans une époque d'incertitude, de violence. La question de l'allongement de la vie, moi, je me la pose moins que la question de la survie au quotidien, je vous avoue, dans le contexte actuel. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de tout ça? Moi, je ne suis pas du tout transhumaniste. J'ai eu plaisir, en fait, de rencontrer Marc Bou, qui n'est pas là, qui est le président de l'Association française transhumaniste. Et lui, c'est vrai que il avait cette espèce de perspective un peu, il y a 8 ans, je l'ai rencontré il y a 8 ans, et il y a 8 ans, le transhumanisme avait une perception complètement différente d'aujourd'hui. Quand il avait des interviews avec des journalistes, et nous, moi je travaillais à la cantine, qui est l'ancêtre de Numa, quand on l'a interviewé, il avait une espèce de paranoïa, il disait, mais je ne veux pas être pris en photo sous une lumière qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que tous les journalistes essayaient de faire passer pour un illuminé. Et les photos qui sortaient souvent à la presse, c'était des photos avec une lumière qui venait d'en haut, et lui qui a une grande barbe, ils essayaient de le faire ressembler au Christ. En fait, le transhumanisme, à l'époque, c'était pour le journaliste, pour les gens, une sorte de mot qui voulait dire une société d'illuminés. On ne sait pas trop qui c'est, ce sont... Moi, on l'a souvent dit, mais c'est une sorte de secte, en fait, c'est une secte américaine. Bon. Et je me souviens, je partageais un souvenir de la cantine aussi, qui était assez drôle, assez étonnant, c'est Didier Curnel. Il y avait un rendez-vous qui avait été pris avec une télévision, je ne sais plus si c'était quelle télévision c'était, ils étaient arrivés à la cantine pour organiser un interview, ils sont arrivés avec des grandes caméras et 2 grands spots avec des lumières bleues. Et donc, la pièce avait été plongée dans le bleu parce qu'ils voulaient donner une atmosphère étrange. Bizarre. Donc à l'époque, le transhumanisme, c'était un truc hyper effrayant. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, ça a vraiment changé. Le transhumanisme, il n'est plus du tout perçu pareil. Il n'est plus perçu pareil parce qu'il est un peu passé dans le langage commun. On parle du transhumanisme, on parle des transhumanistes, les gens se disent, je suis un peu transhumaniste là-dessus. C'est une phrase bizarre qui arrive. Je suis pour le transhumanisme, je suis contre le transhumanisme. Pourquoi est-ce que d'un coup, les gens veulent prendre position sur un truc, finalement, dont ils n'ont souvent aucune idée de ce que c'est vraiment. Plus on en parle, finalement, on sait ce que c'est. Et c'est, ça, c'est un peu la question que je voulais poser, parce que quand on s'apprête à parler de l'allongement de la vie, on se dit, mais pourquoi les gens veulent avoir une opinion sur quelque chose qui n'est pas prêt d'arriver? Moi, c'est un peu ce débat que je voulais avoir avec vous, tout à l'heure, notamment. Et mon sentiment, parce qu'on est chez Numa, donc c'est que de plus en plus, le transhumanisme étant passé dans le langage commun, c'est un synonyme des technologies. On parle de technoprogressisme, hein, c'est l'Association française technoprogressiste. Finalement, maintenant, les transhumanistes, c'est les derniers à être enthousiastes de ce que nous réserve la technologie. Finalement, c'est le champ du transhumanisme s'est énormément élargi parce que tous les gens qui sont contre cet énorme champ de gens qui s'opposent au transhumanisme sont des gens qui refusent de plus en plus la technologie. Et je ne parle pas des innovations technologiques. Je ne parle pas de la dernière découverte de Jean-Marc Lemaître sur la sénescence. Je parle même des vaccins, je parle même des médicaments. On assiste aujourd'hui à une sorte de recul où est transhumaniste quelqu'un qui croit encore au vaccin.
Et le mouvement anti-vax aux États-Unis et maintenant en France prend une ampleur énorme. Et plus le mouvement anti-vax augmente, et plus les gens qui sont tout simplement en train de se vacciner sont considérés comme des transhumanistes. Et cette défiance transhumaniste, et je vais terminer là-dessus, on la voit même dans un climat de paranoïa, parce qu'aujourd'hui, si vous lisez les sites complotistes, vous allez sur les sites complotistes. Ça y est, on trouve les transhumanistes. Avant, le transhumanisme, c'était une vilaine religion. Et maintenant, si vous lisez, vous allez sur les grands sites transhumanistes, on tombe sur les grands complots dont sont responsables les transhumanistes, c'est pas le transhumanisme. Et c'est... les transhumanistes veulent... C'est l'élite mondiale transhumaniste qui veut inoculer la mort par les vaccins et devenir immortel. C'est pour ça que je pense à ça dans le livre. Et j'ai même lu plusieurs articles sur la menace des transhumanistes mondialisés, Illuminati. Donc, je sais pas si vous êtes Illuminati, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, je voulais un peu ouvrir ce débat sur ces questions qui ont peut-être en rien à voir, je ne sais pas. Mais qui pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le transhumanisme et pourquoi on se pose la question de l'allongement de la vie. Et au départ, Alexandre Morère, tu vas nous parler de l'histoire du transhumanisme, de sa réception en France, et je vais te céder la parole. Déjà pour les Illuminati, si vous pouvez nous envoyer leur petit chèque de temps en temps, ça nous fera quand même plaisir parce que ça fait un moment qu'ils ne nous ont pas payé comme quand ça vient à faire. Ok. Donc bonjour à tous, je suis Alexandre, membre de l'association française transhumaniste Technoprog, et je vais vous faire une rapide présentation du transhumanisme. Alors, en guise d'introduction, on peut tout d'abord remarquer que l'humain a toujours cherché à s'augmenter par la technologie. Ainsi, les hommes des cavernes avaient déjà des prothèses de bras qui leur permettaient de chasser plus efficacement. Ben oui, un humain avec un bâton, est-ce que c'est encore vraiment un humain? Puis nous avons inventé, l'écriture, qui est au fond une prothèse de mémoire, parce que cela nous permet de stocker autant d'informations que nous voulons, dans la limite des stocks de tablettes d'arguments disponibles. Puis des prothèses de jambes qui nous permettent de courir très très vite sans aucun effort. Puis des prothèses de voix qui permettent de parler jusqu'à l'autre bout du monde, pareil, sans aucun effort. Et enfin, nous avons augmenté radicalement notre espérance de vie grâce aux progrès de l'hygiène et de la médecine. Et aujourd'hui, nous sommes face à l'arrivée de technologies que l'on appelle les technologies NBIC, donc nanotechnologies, biotechnologies informatiques et cognitiques, et qui progressent vraiment de plus en plus vite. Donc juste pour donner un exemple, ici on voit l'évolution du séquençage du génome humain. Alors au début c'était 100 millions de dollars, quelque chose comme ça, et puis ça s'est effondré exponentiellement, et puis on conjecture qu'en 2020 ça ne devrait plus coûter que quelques centaines d'euros. Et donc toutes ces technologies NBIC nous amènent au transhumanisme. Alors le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un courant de pensée philosophique qui considère qu'il peut être souhaitable, sous certaines conditions, d'augmenter l'humain par la technologie. Alors d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Eh bien par exemple, vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, étendre le champ de nos possibilités et augmenter nos capacités cognitives. Alors, je vais illustrer très brièvement chacun de ces trois exemples. Donc, tout d'abord, vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Là, j'insiste énormément sur le « en bonne santé » parce que, bien sûr, il ne s'agit pas de vivre 50 ans de plus dans un lit d'hôpital, mais au contraire, de ralentir le processus de vieillissement et de rester le plus longtemps possible en pleine possession de nos moyens. Et on pourrait imaginer, pourquoi pas, qu'un jour on pourrait avoir 120 ans d'âge calendaire et tout en ayant 40 ans d'âge biologique. Mais vous allez avoir des exposés sur le sujet juste après. Deuxième aspect, étendre nos possibilités. Alors là, j'ai choisi des exemples totalement arbitraires. Donc tout d'abord, tout ce qui est contrôle par la pensée, parce que maintenant, en se posant des petits casques sur la tête, on arrive à mesurer les ondes cérébrales. Et du coup, on peut par exemple, avec ça, ce dispositif, essayer de piloter un petit robot en faisant avancer, en tournée, puis ensuite on a une migraine pendant 3 jours, mais ce processus ne demande qu'à être raffiné, et on pourrait imaginer par exemple un jour, eh bien, que, par exemple, au lieu de taper des messages au clavier, eh bien, on aurait simplement à penser ces messages et ils s'afficheraient directement à l'écran. Et l'autre aspect, c'est bien sûr tout ce qui est réalité virtuelle. Alors là encore, je suis d'accord que les réalités virtuelles aujourd'hui les plus avancées ne sont encore qu'une grossière imitation de la réalité, mais on peut imaginer qu'un jour elles atteignent le même degré de réalisme que la réalité, et pourquoi pas qu'un jour elles proposent une expérience sensorielle supérieure à la réalité.
dans tous les cas, designer d'univers virtuel est sans doute un métier d'avenir. Et enfin, le dernier aspect, c'est augmenter ses capacités cognitives. Alors, tout ce qui est maladies neurodégénératives, type Alzheimer, qui ont tendance quand même à simplifier énormément, mais à détruire nos connexions neuronales, eh bien, ce qu'essayent de faire les chercheurs, ça va être de se demander comment est-ce qu'on pourrait régénérer ces connexions neuronales qui ont tendance à se dégrader. Mais du coup, si on fait ça, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et augmenter nos capacités cognitives, par exemple en augmentant le nombre de connexions possibles. Alors, bien sûr, on pense tous à être plus intelligent, mais on pourrait aussi être plus empathique, plus créatif, plus altruiste, plus plein de choses. Mais bien sûr, tout cela devrait se faire dans le respect de la liberté de chacun de s'augmenter ou non. Alors pour finir, je vais dire deux, trois mots sur le transhumanisme en France. Alors il faut savoir que le transhumanisme, à l'origine, est quelque chose qui vient des États-Unis, et plus particulièrement de Californie, et donc il est légèrement emprunt de philosophie libérale, voire libertarienne. Et ça, ça ne passe pas toujours très bien en France, parce que, à tort ou à raison, c'est un peu interprété comme la liberté de m'augmenter, moi, si j'en ai les moyens. Nous, à l'association française transhumaniste Technoprog, nous revendiquons un courant qui est plus européen et que l'on appelle technoprogressisme, qui va considérer, c'est-à-dire, bon, voilà, on a cette technologie NBIC qui nous arrive dessus, comment on va faire pour qu'elle soit le plus bénéfique possible à la société dans son ensemble? Et cela va nous amener à nous poser plein de questions, telles que, par exemple, y a-t-il une contradiction entre longévité et surpopulation? Et si oui, comment la lever? Comment lutter contre les abus du copyright dans un contexte de transhumanisme, c'est-à-dire tout simplement le copyright sur les logiciels, mais aussi sur tout ce qui va être prothèse, sur tout ce qui va être biotechnologie, donc vraiment le copyright au sens large? Quels sont les dangers et les bénéfices de l'intelligence artificielle? Et enfin, comment redistribuer les bénéfices de l'automatisation? Car comme vous le savez, de plus en plus de métiers tendent à être automatisés. Et au bout d'un moment, on peut se demander est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, repenser légèrement le modèle social et, par exemple, mettre en place quelque chose comme un revenu de base universel. Bref, si toutes ces questions vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur le site transhumaniste.com, donc ISTES, pourquoi pas adhérer si ça vous chante. Et si vous avez des questions, voici mon mail alexandre.technoprog@gmail.com. Merci. Sur le vieillissement, éventuellement la longévité, et puis au travers de ça, me positionner par rapport à mes recherches. Et on verra ensuite pour le débat, mais ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est pas effectivement l'homme augmenté, mais plutôt l'homme réparé. Parce que quand on est un biologiste et parlant de médecine, l'objectif avant tout c'est de réparer l'humain qui est défaillant. Et on sait qu'avec l'âge, on a tout un ensemble de pathologies qui sont associées, et avant tout, c'est ça l'objectif. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est pour retracer un petit peu ce qu'on sait sur le vieillissement, comment on l'étudie, et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on a fait, ce qu'on peut espérer encore sur ce type de recherche et dans le futur. Alors oui, quand on voyait pourquoi on parlait sur le vieillissement, ça commence comme ça, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit parfois ça se passe très très bien lorsqu'on avance en âge, et puis d'autres fois c'est plutôt dramatique. On se dit que dans le travail de médecine, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour comprendre et puis corriger. Et puis, juste un petit clin d'œil, c'est que vous voyez qu'il y a quand même quelque chose à faire, puisque au bout de 4 ans, et bien, cette personne a quand même changé sa morphologie, juste, vous voyez, avec un peu de sport. Bon, sans aller bien loin dans la science, c'est à peu près, d'accord. Voilà, sans aller très loin dans la science, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être réversibles, notamment au niveau du vieillissement. Alors si on regarde un peu les chiffres, vous voyez que l'espérance de vie a cessé d'augmenter, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, l'espérance de vie à la naissance, et puis qu'il y a certains pays, vous voyez, où l'espérance de vie est différente, donc sûrement des modes de vie différents qui sont associés, et il y a peut-être quelque chose à tirer aussi de ça. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que bien, on a une personne, un cadran, qui allait jusqu'à 122 ans d'âge. Et pourquoi nous pourrions tous
pas aller à cet âge et en bonne santé. C'est peut-être un objectif qui est, en tout cas pour la médecine et la biosanté, raisonnable. Peut-être que ça pourra augmenter, et ça, je pense qu'effectivement, on en a parlé déjà précédemment, je pense qu'on n'en est pas encore là. Alors, le vieillissement, eh bien, il y a une part des gènes, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a des familles d'extrême longévité, certains sont plus chanceux que d'autres par l'héritage familial, et puis il y a aussi des syndromes de vieillissement accéléré, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vieillissent très très vite, l'âge adulte, on voit que ça se dégrade très vite, beaucoup plus vite que la majorité, et puis d'autres personnes, même un syndrome particulier de progéria, où les enfants meurent à 13 ans avec le phénotype et la physiologie de vieillard. Mais on sait aussi que l'environnement a de l'importance pour la longévité, puisque globalement, on estime sur les familles de vrais et faux jumeaux que ça représente 75% de l'impact sur la longévité, les gènes et correspondent à 25%. Alors, on a bien sûr une détérioration progressive des fonctions de l'organisme, tous les systèmes de l'organisme, et puis progressivement, on voit apparaître des pathologies associées à l'âge, et ça, quand on fait de la biosanté, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors, pendant très longtemps, on s'est attaqué simplement aux pathologies du vieillissement, indépendamment, et puis maintenant, on essaie de trouver un dénominateur commun qui permettrait peut-être de corriger un peu l'ensemble. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un déclin des fonctions de réparation, de réparation des tissus, et on ne sait pas encore s'il y a une cause, plusieurs causes, de multiples causes du vieillissement. La seule chose qu'on regarde, finalement, quand on regarde ces pathologies, ce sont les conséquences du vieillissement, et pas les causes. Et ce qui fait qu'on est obligé de parler d'âge biologique, puisque souvent, vu toutes ces différences de longévité, eh bien, on a un âge qui peut varier, qui est biologique et qui ne correspond pas forcément à notre âge calendrier. Alors, quand on étudie le vieillissement, on utilise des modèles, parce que vous comprenez bien que c'est très compliqué de faire de la longévité chez l'homme, et en tout cas d'intervenir pour modifier la longévité. Donc, on prend des animaux qui sont voilà, durée de vie courte, mais qui apportent beaucoup d'informations. Le petit ver, vous voyez, 20 jours, 40 jours, mais déjà la souris, c'est compliqué, donc il faut attendre 3 ans, vous voyez. Donc on a quand même des limites, et le progrès sur le vieillissement, eh bien, il a aussi ses limites-là. Alors par contre, ce petit ver, vous voyez, ce qu'il a permis de mettre en évidence, c'est qu'il existait des gènes impliqués dans le vieillissement. Là, vous voyez, c'est une courbe de survie. Donc on part de 100 animaux et puis petit à petit, le nombre diminue parce que les animaux décèdent, bien sûr. Et là, ce qu'on voit, vous voyez, c'est que lorsqu'on mute un gène chez cet animal, et bien on double la durée de vie de cet animal. Et pas uniquement une durée de vie avec une physiologie altérée, comme si l'animal était vieux, non, en bonne santé. Et si on modifie un autre gène, et bien on revient, vous voyez, à la longévité initiale. Donc, ça a permis de démontrer qu'il y avait des gènes qui étaient impliqués dans le vieillissement. Et voilà, il y a un petit animal, et puis on a retrouvé ces gènes chez l'homme aussi, et on les étudie bien sûr. Et puis on s'aperçoit que chez cet animal, si on modifie différentes choses, des gènes qui sont impliqués ben, par exemple dans le métabolisme, dans la voie de l'insuline, ou on lui fait subir de la restriction calorique, ou encore on joue sur le fonctionnement du métabolisme, eh bien, on peut multiplier la durée de vie, et en jouant comme ça un petit peu avec cet animal, on peut aller jusqu'à 10 fois la durée de vie, et en bonne santé. Alors bien sûr, on n'en est pas là chez l'homme. On regarde aussi, pour essayer de comprendre les différences de longévité, bien sûr, les différences entre les individus. Et on parlait du séquençage du génome, là, il y a quelques minutes. Et oui, on peut accéder maintenant au génome humain, même si la bioinformatique est encore un petit peu en retard sur la capacité à analyser toutes ces données, mais bientôt on pourra le faire, et il y a des projets d'identification de gènes, de variants dans des familles de forte longévité, pour essayer de repérer un petit peu ce qui fait les différences. Alors, on étudie différentes espèces, vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'homologie entre les génomes des différentes espèces. Et quand on voit qu'un rat normal vit 3 ans et puis qu'un rat taupe qui est assez voisin vit 30 ans, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe. On sait que cet animal est très résistant au stress oxydant, on sait que lorsqu'on lui injecte des tumeurs, il les rejette. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à sortir de tout ça. Et puis, je vous rappelle que aussi dans le monde animal, hein, l'abeille, la reine, vous voyez, il y a une différence de longévité incroyable sur des animaux au départ qui sont des clones.
et juste par une alimentation et un mode de vie, puisque la reine et le monde ne travaillent pas, qui est différent. Alors chez l'homme, c'est plus compliqué, on travaille sur les cellules, sur les tissus, ce que nous faisons en laboratoire et dans nos laboratoires. Et on travaille par exemple sur la peau et on s'aperçoit que le derme ici présent est complètement désorganisé quand on vieillit, que l'épiderme s'est affiné, oui la peau s'affine avec le temps, et puis la couche protectrice là est devenue toute fine, la couche cornée, et bien sûr on est beaucoup moins protégé au niveau de la peau avec l'âge. Alors par contre, ce qui a été identifié, ce qui est vraiment quelque chose de très très important pour le vieillissement et de plus en plus, je vais vous en parler en détail après, c'est qu'on a, vous voyez, ça c'est une coupe de peau, et puis là on colore des cellules qu'on appelle des cellules sénescentes. Hein, parfois on a assimilé sénescence et vieillissement, c'est quelque chose de vraiment différent. La cellule, là qui est sénescente, elle a une fonction très particulière. Alors déjà on en retrouve s'accumuler avec l'âge, dans tous les tissus. Souvent on les trouve encore plus localisés où on a des pathologies liées à l'âge, ça peut être les zones d'inflammation, vous voyez, on en trouve au niveau des plaques latéraux, on en trouve dans les joints arthritiques, etc. Et on pense que ces cellules ont une importance considérable sur la capacité à perdre la régénération qui nous caractérise avec l'âge. Alors, pourquoi les cellules rentrent en sénescence? Les cellules rentrent en sénescence parce que tout au long de leur vie, elles stressent. Parce qu'elles ont, par leur fonctionnement, et il y a plein de stress qui peuvent les conduire en sénescence. Ça peut être des dommages à l'extrémité des chromosomes qui va les altérer. Ça peut être l'oxydation, ça peut être directement des dommages sur le génome. Ça peut être l'activation de certains oncogènes ou même des organisations du génome qui régulent l'expression des gènes différemment. Cette petite extrémité là qui est endommagée au niveau du chromosome, le télomère, on sait que ça a un impact important sur le vieillissement parce que peut-être aussi sur les différences de longévité des individus. On sait qu'en fait on hérite de télomères, la taille de télomères de nos parents. On sait que ça diminue au cours du temps avec le vieillissement et la prolifération de nos tissus qui servent à réparer. Et puis, on a identifié que finalement, même l'environnement, le mode de vie, le stress pouvaient avoir un impact sur la taille de nos télomères qui peuvent être diminués et avoir un impact sur le vieillissement. Et même, mesurer ces télomères peut avoir une bonne valeur prédictive en clinique pour l'apparition de ces pathologies liées à l'âge. Alors, l'oxydation, elle vient parfois du déséquilibre de la gestion des radicaux oxydants de notre métabolisme. Les petites mitochondries qui nous donnent l'énergie, elles synthétisent aussi des radicaux oxydants. Et puis, lorsqu'on n'est pas capable de les supprimer régulièrement, ça altère à la fois la cellule, la mitochondrie, et puis on a un effet vieillissant, vous voyez, qui endommage un petit peu tous les compartiments de la cellule. Alors, il y a des mécanismes, comme l'autophagie, par exemple, c'est un mécanisme qui permet de nettoyer nos cellules de toutes ces choses endommagées, oxydées, et puis on a même des activateurs, vous voyez, qui existent de cette autophagie pour nettoyer les cellules. C'est quoi l'autophagie ? L'autophagie, c'est un mécanisme déclenché par la cellule pour prendre en charge toutes les protéines, toutes les petits organiques qui sont altérés, modifiés, oxydés, et pour les recycler. Voilà, recycler, c'est un cycle de recyclage. Et on peut stimuler ces fonctions. Alors, l'oxydation, elle n'est pas que de la cellule et son fonctionnement, mais elle est à la base, déjà, par son fonctionnement, mais elle est aussi de multiples sources externes. Hein, ça peut être des UV, quand vous prenez un peu de soleil sur la peau, vous allez créer des radicaux oxydants qui vont endommager vos cellules, les radiations ionisantes, la fumée, et la pollution. Enfin, vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles nos cellules vont stresser, s'endommager et s'oxyder. Alors, par contre, et là, c'est là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que lorsque les cellules rentrent en sénescence, elles s'arrêtent de se diviser parce qu'elles se disent qu'il y a un endommagement quelque part, qu'il faut réparer. Et parfois elles réparent, elles repartent, et puis parfois c'est trop catastrophique, elles se détruisent. Ou alors elles restent là dans un état sénescent.